Le 1er octobre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes âgées. Pour cette année, le thème international qui a été retenu est la protection des personnes âgées avant, pendant et après la COVID-19. Au moment où celui retenu au niveau de notre pays est, tous ensemble, conjuguons nos efforts pour le soutien des personnes âgées. Dans le cadre justement de cette protection, tout en n'étant pas exhaustif, les mesures suivantes ont été prises par le gouvernement du Burundi. La signature des conventions de partenariat avec les centres et associations œuvrant en faveur des personnes âgées, avec comme corollaire l'octroi des subsides annuels, visite et distribution des vivres et non-vivres à ces centres et associations, l'assistance médicale aux personnes âgées vulnérables. Aussi, au cours de l'année 2012, notre gouvernement s'est doté de la politique nationale de protection sociale et une stratégie nationale pour sa mise en œuvre est déjà en place, de même que le fonds d'appui à la protection sociale qui accorde une attention particulière aux groupes vulnérables en général et aux personnes âgées en particulier. Plus encore, Son Excellence, le Président de la République, vient d'amorcer de nouvelles mesures pour soutenir davantage les personnes âgées, notamment par la subvention des soins de santé, mais aussi l'opportunité de revoir à la hausse la pension de vieillesse. Dans notre pays, cette journée sera célébrée le jeudi 1er octobre à Gihanga, en province de Bubanza, et nous saisissons cette occasion pour nous inviter tous à chérir en ce jour qui leur est dédié des personnes âgées dans nos familles et voisinages. Bonne fête à toutes les personnes âgées, ensemble pour la protection des personnes âgées.